Lundi 8 août 2022, la police nationale a présenté ensemble opération qu'il menait pendant le week-end, un peu partout dans la zone métropolitaine, également dans le département nord-ouest. Et on a commencé avec notre ça que tout le monde connaît et qui vivait pendant le week-end, côté que bandits armés tués et brûlés ancien sénateur républicain et directeur général EPPLS là, Monsieur Yvon Buisseret. Et yon proche li, qui c'est Jean-Ronald Monplaisir, un jeune qui tape travail dans EPPLS, dans quatre dossiers ça, la police, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, l'ouvrit enquête pour nous cas arriver, mettre main dans collecte, tout bandit qui impliqué dans assassinat sans pareil ça. Pour le moment, gagné plusieurs informations qui viennent de la police. Et n'a traité yo et nous pas anticipé, mais nous dit d'a fait tout ça nous capable pour que nous arrivions à identifier d'abord et mettre main en collecte tout bandit criminel qui impliqué dans assassinat ça et conduire devant la justice. Et gagné on sent mesure qui prend au niveau de la police pour capable renforcer présence PNH là dans zone là également dans zone la boule là. Et concernant dossier enlèvement et séquestration, DCPJ est continué à positionner Pierre Günther pour implication présumée dans enlèvement et séquestration. Effectivement, M. Terrani dans la police, l'état DCPJ, et pendant que l'enquêteur a positionné M. en présence d'avocat, et il a fouillé M. Joanne, un iPhone qui est propriété d'un homme d'affaires qui a été enlevé sur route à l'aéroport. Et suite à l'intervention de la police au niveau Croix des Bouquets, et gagné Jordani ainsi connu, et qui arrivait blessé mortellement malheureusement, monsieur fait partie du groupe 400 Marozoa. Et n'a pas noté que monsieur lui-même était basé en Bas-Picant, également dans le marché d'Agou. Jeudi 4 août 2022, la police nationale a arrêté ancien policier Saint-Hilaire Jean Roosevelt et dans Clessine 6 pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous Maître Fritz Altenor dans Croix des Bouquets le 20 janvier 2022 et dans Avenue Christophe. Et après arrestation, DCPJ, accompagné de juge de paix, Yalla Kay Monsieur, il a joué un fusil 12, un pistolet de calibre 22, une grenade lacrymogène, plusieurs uniformes IDMO à l'autre équipement PNH. N'a pas noté ancien policier ça, et à savoir Saint-Hilaire Jean Roosevelt, qui est en prison déjà pour un acte pareil en 2012. La police a intensifié opération ligne dans zone Croix des Bouquets, spécialement côté que ancien gang collègue ainsi connu tape évolué, qui lui-même est arrivé blessé mortellement, malheureusement. Suite à échange de tir avec la police samedi 6 août 2022, la police a arrivé confisquer deux véhicules et la police détruit quatre cailles que monsieur Teguien qui était servi comme maison de séquestration. Et la police te joint support l'armée d'Haïti lors de intervention ça. Au niveau département nord-ouest, la police a arrêté Gélin Bonami qui continue que les GG overdose pour implication présumée auteur d'un assassinat qui était fait sous policier Udmoa, un jeune policier qui est Anthony Dumas le 28 juillet 2022. Notez bien, n'a pas noté que Gélin et bon ami et qui continue que les GG overdose, t'es fait partie d'un gang qui tape évolué dans la localité Sahara qui est trouvée dans le département nord-ouest.